Comme j'étais petit, j'étais en un safon à Yémeu, à Pedéleu. Après, on a fait le départ de Yémeu, mais je suis tourné au Sahagi. Là, maintenant, j'ai relevé, je suis grand. Là, j'ai 33 ans. J'ai tourné au foyer de vie. La marque de fabrique, c'est vraiment travailler et axer le travail sur la culture, l'accès à la culture. C'est une question très importante, au-delà de l'handicap. On a choisi la sculpture et la danse. Au niveau de l'expression, je pense que c'est tout à fait intéressant. Nous, en tant qu'artistes, tout ce qui est sculpture, on est nous-mêmes handicapés. Hein. La danseuse, bon, elle a travaillé sur le mouvement du corps. Et moi, c'est un prolongement, en fin de compte, au niveau de la matière. Je donne des consignes et une façon de faire comme un professionnel. L'artiste, ça ne veut rien dire. Doué non plus, c'est une question de regard. Ça leur apporte l'apaisement. Et puis, même pour moi, je suis fier de lorsqu'ils réalisent des pièces. C'était une façon aussi de mettre en avant ce que les enfants ont appris. Il y a beaucoup d'activités qui ont comme objectif cette intégration. On a des groupes qui vont au centre commercial pour faire des courses. Là aussi, un lien fort avec les parents. À chaque fin d'année, il y a plein de séjours qui sont proposés avec une réflexion autour d'un site bien protégé et une évaluation autour des cibles bien définies, c'est-à-dire l'autonomie, comment ça se passe la nuit. L'IME propose également de préparer les jeunes à leur projet d'avenir. Donc on organise également des temps qui leur sont consacrés, où ils peuvent travailler leur projet professionnel. On va à la rencontre des différentes instances de la cité avec lesquelles, à un moment donné, ils peuvent avoir à interagir dans leur future vie d'adulte. Et il nous est apparu comme primordial au sein de l'IME que nos jeunes fassent leur parcours du citoyen au même titre que tous les jeunes. Foot le mardi matin et puis mardi après-midi théâtre à Tournio et David. Je me dis que par le biais du théâtre, je sais qu'on peut, comment dire, ils peuvent trouver quelque chose de leur identité. C'est un éducateur, David Franche, qui a eu envie de créer un atelier théâtre. Moi, ça m'intéressait de faire cette expérience-là. Alors, on a commencé comme ça, tous les deux novices, David dans le domaine du théâtre et moi dans ce domaine des... comment dire... les Canadiens les appellent les exceptionnels. J'aime bien ce mot, les exceptionnels. Heureusement qu'on avait des éducateurs avec nous et heureusement que nous les avons toujours. Ils sont formidables. La personne qui est là le plus souvent, c'est donc David. David, excellent. Qui fait un travail génial, tant avec eux que aussi. Moi, je me suis senti très fortement accueilli par lui. J'ai senti que dès qu'il y avait une idée, c'était possible de la mettre en pratique directement. Ils ont un don de la danse, ils ont un don de concentration incroyable. Sans l'inquiétude de qu'est-ce que ça donne,
est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Non, on joue, point. Parce qu'ils ne sont pas dans la représentation, ils sont directement dans le moment. Et c'est vrai qu'on en sort enrichi. À chaque fois, on sort de l'atelier. Presque moi, toutes les angoisses s'en vont. Même nous-mêmes, ça nous soigne. On se dit, mais pourquoi se poser des questions métaphysiques? En fait, il suffit d'être là. Ce qui est intéressant aussi avec eux, c'est que ça ne passe pas par la parole parlée, mais par une autre parole. La parole qui est prise dans le corps, dans les mains, dans des sons. C'est une autre parole, mais c'est toujours une parole. Avec la lutte contre les discriminations. J'avais décidé de partager une après-midi de théâtre avec les résidents d'ici et avec une classe de 6e. On a passé une après-midi absolument formidable, fabuleuse, en improvisation théâtrale. Puis on a aussi des élèves qui avaient de la famille, qui ont des cousins, des frères, qui étaient handicapés mentaux, dont ils n'avaient jamais parlé, et c'était... Ben, c'était, quand on a discuté ensemble, ben, ça a été le moment où ils ont pu enfin dire qu'un des membres de leur famille était handicapé. David Franche travaille beaucoup sur l'échange et l'ouverture du centre vers l'extérieur, et je pense que c'est vraiment une solution, c'est vraiment une expérience à refaire partout, dans tous les domaines. Il faut savoir ce que cette journée a réellement apporté sur le civisme, sur l'autre, et il faut faire les comptes, et voilà. Même s'il n'y a pas beaucoup de notes, même il n'y a pas eu d'interro écrite, il n'y a pas eu d'examen. L'examen, c'est pas... Voilà, il y a eu du travail, par contre. Alors, le brioche, on a ravi avec ma mère. On a un tribut des brioches pour tout le monde, et ça m'a plu. L'opération brioche est une opération qui consiste à vendre des brioches au profit de notre association, surtout l'arrondissement de Château-Thierry, ce qui représente 123 communes. C'est de 9h du matin à environ 18h le soir. On fait des équipes qui parcourent chacun un quartier de la ville ou du village selon le cas et qui font du porte-à-porte en vendant les brioches. On achète nos brioches chez 24 boulangers de l'arrondissement plus un supermarché qui nous fournit aussi des brioches. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, les boulangers ne nous donnent pas les brioches. Nous les achetons au prix d'1,50€ l'année dernière et 1,55€ cette année. C'est la seule rentrée d'argent pour notre association, donc l'opération Brioche est un moment important. Ça nous rapporte aux environs de 55-58 000 euros tous les ans. Les fonds tous les ans sont affectés à un projet en complément des fonds publics, soit à la construction ou à l'amélioration des établissements, ou à la construction de terrains de jeu comme celui-là qui a été financé par une opération Brioche il y a 3 ans. Cette année, les fonds seront affectés à l'aménagement du nouveau CAJ qui va être construit à Chéry d'ici quelques mois. C'est aussi pour nous l'occasion de nous faire connaître notre association dans tout l'arrondissement de Château-Thierry. Par la même occasion, on participe à l'intégration de nos enfants au milieu de la société. Eux aussi font du porte-à-porte accompagnés d'adultes. Cette année, ce sera les 11, 12 et 13 octobre. Et c'est environ 500 bénévoles qui vendent les brioches le jour, le week-end de l'opération Brioche sur le terrain. D'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour faire un appel. S'il y a des gens pleins de bonne volonté qui ont une journée ou deux à nous consacrer lors de l'opération Brioche, qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître et à venir nous rejoindre, ils seront les bienvenus. C'est raté, il y en a qui ont fait leur boulot
et puis ça bouge bien. Vas-y. Benoît. Adeline, vous travaillez ici? Oui. Oui. Et depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Moi je suis ici en 2009. On rigole beaucoup en cuisine. Oui. Avec le chef. Si des fois il y a des trucs, c'est un peu dur, il y en a d'autres, pas trop. Ça apprend des choses? Beaucoup de choses. Moi j'aime bien faire les tartes. Tartes à la pomme, les tartes, toutes sortes de tartes. Tartelettes. Ouais, c'est les entrées. J'aime bien faire les entrées. Sur les plateaux, vous avez trois redoublés, trois fois les viandes. Vous avez trois plats dedans. Et j'ai mis quelques burgers. Depuis un an, je suis chef de cuisine, chef gérant sur le self de l'ESAD qui vient d'ouvrir. J'ai une brigade de 7 travailleurs avec moi. Ils ont chacun leur spécificité. Eux trouvent le travail intéressant parce qu'ils remettent aussi en pratique ce qu'on fait ici, ils le mettent en pratique chez eux, puisque bon, c'est des gens qui ont une vie de famille, ils ont leurs enfants, tout ça, ils vivent en couple. Et donc c'est quand même un travail qui est... il y a quand même une reconnaissance derrière. Je me dis qu'au moins, entre guillemets, je sers à quelque chose, et voilà. Pour moi, c'est un challenge. Parce que bon, moi, là-bas, je suis cuisinier, je ne suis pas encadrant. Hein. Cuisinier, vous savez, hein, un cuisinier, on n'a peut-être pas toujours les mots qu'il faut pour parler aux gens, hein, vous savez, dans le speed. Donc, je pense qu'ils me connaissent, on se connaît tous maintenant. Ils se sont fait à moi aussi. C'est super agréable de travailler avec eux. On est ouvert à la clientèle extérieure. Les avantages, c'est qu'on a l'impression d'être comme à la maison. Là, tout ce qui est repas, c'est impeccable. Il n'y a rien à dire. On est vraiment très ravis. On est très bien reçus. C'est vraiment très convivial. Et on peut dire que c'est une petite famille pour nous. Franchement, ça mérite le détour. Moi, plus tard, je fais cuisto. Des cuistos de ici. Je m'appelle Jean-Sébastien Vaillant. Des fois, je suis à la laverie et des fois à la chaîne. J'ai fait un chapeau à Saint-Polyvalent ou les saisons à la fontaine. Après le chapeau, j'ai voulu changer un peu et c'est un apprentissage en pâtisserie. Je suis resté sans boulot. J'ai cherché, j'ai remporté des lettres de motivation qui étaient partout. Et après, grâce à la mission, j'ai donné mon essai. Ils m'ont fait un essai ici. C'était un peu dur au début parce que je ne parlais pas assez. Après, ils ont bien voulu me reprendre à l'essai. Et après, j'ai été pris. C'était très timide, très réservé. Il ne parlait pas, donc on ne savait pas s'il comprenait ce qu'on lui disait ou pas. Et donc, avec les aides des éducateurs qui m'ont encadré, on a refait une formation, donc un essai qui a été concluant puisqu'il s'est mis à parler, à discuter. Donc voilà, là c'est parti, c'est bien. Quand on lui demande de faire, il fait bien. Notre rôle à nous est de les encadrer et d'essayer de faire de notre mieux pour qu'ils puissent s'adapter, pour avoir après ensuite une possibilité d'être embauché, ce qui veut dire un CDI, c'est un établissement. Ou pouvoir trouver une place à l'extérieur, puisqu'il veut refaire avec son contrat, il est censé refaire une formation pour passer son CAP de pâtisserie. Je pense que c'était notre objectif, c'est qu'il y ait une réussite pour la personne. Très, très honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette deuxième semaine, aujourd'hui, Jean-Sébastien, je pense qu'il ne serait pas en emploi. Il fallait vraiment le rebooster. Il y a eu des techniques d'entretien d'embauche. Je faisais un retour à l'équipe. L'équipe revoyait ça pendant le week-end pour qu'il soit prêt pour le lundi. Jean-Sébastien a pu encore être hébergé un petit moment au foyer
pour qu'il continue à ne pas perdre ses repères et puis qu'il soit rassuré, tous les jours, l'équipe éducative l'emmenait à l'hôpital de Villiers et venait le rechercher. Je pense que sans ce partenariat, il n'y aurait pas eu ce résultat. Par le biais de l'équipe éducative, j'ai su donc que Jean-Sébastien était plutôt leader dans son équipe de foot, qu'au contraire, ici, était épanoui, prenait des responsabilités. Donc ça, moi, c'était des choses que j'ai pu mettre en avant auprès de l'employeur pour vraiment rassurer ses chefs de service, rassurer le reste de l'équipe par rapport à sa timidité et sa réserve, en fait. Pour n'importe qui, faire 15 jours et dire « c'est moi, faut me prendre, j'y arrive, je vais être rentable, et compter sur moi, c'est pas évident. » Donc en fait, je pense que Jean-Sébastien avait besoin d'avoir confiance, et là, ça s'est très bien passé. Jean-Sébastien est extraordinaire, il a pris sur lui quelque chose d'incroyable, il a discuté avec l'équipe, c'était vraiment positif, et à ce jour, c'est toujours positif. Ça fait plaisir, il est complètement autonome, il a une chambre à l'hôpital, donc il a été courageux, il s'est accroché. C'est dans des moments comme ça, lorsque nous, parfois, c'est un peu dur, c'est dans des moments comme ça qu'on sait pourquoi on fait ce métier et que s'il voit ce message, je le félicite et que je suis très fière de l'avoir accompagné. Voilà.